Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce 7e épisode des aventures de Rayman dans Rayman Legends. Donc on va aller faire ce deuxième niveau, Fiesta de los Muertos. Hop, on va aller. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc là on arrive dans les niveaux de la bouffe, du manger, des légumes, hein, 5 fruits et légumes par jour, hein, ça faut jamais oublier. On nous le martèle tous les jours. Je regarde s'il n'y a rien de caché. Non, il n'y a rien de caché. Donc voilà, souvenez-vous, hein, des célèbres trompettes qu'on voyait dans Rayman Origins, voilà, sont là pour justement nous réduire notre taille. Hop, et maintenant on est plus petit, on fait plus de dégâts sur les mobs et on vole plus loin. Et en plus on a cette fonction de pouvoir aller un peu plus haut avec les... en mettant un coup de poing, hop, et un peu plus loin en tapant. Et en plus, au lieu de se lancer sur les... se glisser sur les chaînes, on marche dessus, hop, et là on grandit. Et là on va devoir, hop, voilà, nickel. Et là encore un passage avec des petits êtres. Et voilà, hop, ça demande un peu de concentration parce qu'il y a quand même de la rapidité là. Ces machins, sur ces plaques, je crois que c'est du beurre. J'ai l'impression que c'est du beurre, hein, que je dise pas de bêtises. Bon, je regardais s'il y avait rien en arrière. Je vais rester en petit, ça peut peut-être être intéressant pour la suite. Non, je voulais pas... c'est en dessous, pas dedans. Ouais, non, c'est intéressant pour la suite parce qu'il y a quand même... ce truc là-haut doit me permettre d'avoir des... hop. Ah non, je reste en petit. Ouais, en fait, j'aurais dû passer, rester par ici. Est-ce que si je passe par là... non, ici, il n'y a rien. Généralement, la caméra baisse si on reste... si on reste en bas du machin. C'est vrai que je finis pas mes phrases... hein. Je m'excuse à chaque fois. Là, on a vu que dans la pastèque, les couteaux sont bien placés. Hop, on récupère des looms au passage. Ouais, ça me... ces musiques dans ce jeu me font toujours un peu pousser la chance, honnête, parce que c'est vrai que elles sont vraiment sympathiques. Elles sont vraiment avec le thème de la... on se croirait presque dans un Disney tellement sont... je crois qu'ici je suis pas passé. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ah, pourquoi je voulais... là. Voilà, on va récupérer ce... là, je crois que ouais, je reste petit. Voilà. Là, il y a toujours du beurre. Ouais, c'est bien des plaques de beurre, hein. J'avais peur de me tromper de tal... pourquoi il s'est pas accroché. Peur de me tromper de tout à l'heure, hop. Oula, oula, oula. Rayman, on se calme, on se calme. Ah, des looms en plus. Là, faut faire attention. Voilà, pourquoi faut faire attention. Oulé. Oula, 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 on se calme. Oula, qu'est-ce qui s'est... oula, j'ai rien compris.
Il s'est passé un truc tout un peu bizarre. On va aller voir ce qui... Pourquoi... Ce qui s'est passé. Hop, on va repasser par un bas, on sait que là. Hop. Voyez, pour passer, il faut juste attendre que la pastèque ait fini de tourner. Là, nous avons notre Mexicain mort. Hop. Non, je voudrais récupérer. Est-ce que je peux le récupérer? Pas le récupérer, bon, tant pis. Donc là, on est redevenu grand. Récupérer la pièce, c'est très simple. Non, j'ai dit c'est très simple. Ah non, c'est à l'envers. Bon, tant pis. De toute façon, les 600, je pense qu'ils seront faisables. Voilà, nickel. Je regarde en arrière qu'il n'y a rien. Bon. Voilà, hop. Bon, ça se prend pas comme ça d'habitude. Ah, là, il faut rapetissir, par contre. Je sens que je vais devoir refaire demi-tour. Sans problème, apparemment. Non, c'est là. C'est là, le passage. Je suis en train de me dire, il y a peut-être... Ah, il y en a un que j'ai oublié, voilà. Il m'en reste plus qu'un. Je me demande où c'est qu'il doit être. Ah, ça c'est le final. Hop. Nous sommes dans le barbecue. Ou plutôt dans la fabrication des saucisses. Hop, voilà. Et j'en ai oublié en route. Je peux pas remonter. Bon, tant pis. Je repasserai plus tard. Je repasserai plus tard. Bon, ça va, c'est au moins un niveau ici que j'ai oublié. Aller gratter ce ticket, comme ça on aura fait donc un tableau Rayman Origins. On va essayer de tous les débloquer, comme ça je vous les proposerai en bonus. Allez, on va aller faire ce petit niveau pour sauver encore un nouveau personnage. Alors généralement, hein, c'est comme je l'ai dit dans un épisode précédent, tous ces tous ces niveaux sont des niveaux qui vous sont posés aussi après dans le challenge. Dans le challenge, c'est en multi, mais en multi online en fait. C'est pas vraiment online, vous voyez les autres. Mince, j'ai fait une erreur. Que vous voyez juste les autres personnes qui font le même parcours que vous, mais en fantôme. Et. Ah, là j'ai fait une erreur, n'importe quoi. Sauf que dans les niveaux challenge, vous n'aurez pas les petits êtres à récupérer.
Alors que là, ils y sont en route et en même temps vous avez des lumes ça à récupérer. Je vous montrerai ça dans un épisode bonus, ce que c'est le challenge, les challenges. Voilà, hop, un personnage en plus. On va les faire sautiller comme d'habitude. Ah, des looms en plus. Et on va les faire ce niveau. Ah, j'ai raté le cœur. Ah. Encore transformé en canard. Ah, les célèbres dragons cracheurs de feu qu'on avait dans Rayman Origins et que je viens de me faire avoir. Bon, tant pis, on recommence. Voilà, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Ah. Comme on a pu voir sur l'image du niveau, bien sûr, il y a Luffy qui revient pour nous aider. Et là, vous voyez, il nous met du guacamole. Célèbre sauce mexicaine. À base d'avocat, pour ceux qui ne savent pas. Hop. Là, par contre, je vais retourner en arrière. Hein. Je vais récupérer la pièce, quand même. Là, on va récupérer les looms. Un passage avec des petits êtres. Hop. Là, j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis envoyé un peu avant et vous voyez, ça a fait un petit truc un peu incurvé, donc j'ai cru que c'était pas passé, mais si c'est passé. Pourquoi ce jeu est quand même un peu bien codé. Il fait peur, mais il est bien codé. Hop. Oups. Alors j'allais dire. Donc là bien sûr. Devoir passer par ici. Hop. Là, il faut juste passer rapidement. Désolé si je dis pas grand chose, mais hop, je reste concentré, hein. Faut avoir un bon timing, mais faut que notre cher Luffy soit toujours au taquet comme je viens de pas le faire, hop. Soit toujours bien placé, c'est pas ce que je veux. Bon, là il faut s'envoyer plus rapidement, voilà, comme ça.
Là, j'ai fait une bêtise. Je voulais faire un truc. Ah, c'est ce que je voulais faire. Les boules, ça me rappelle les boules de feu dans Super Meat Boy, qui est dans les niveaux de l'enfer. Hop. Qui justement est un enfer. Hop. Je préférerais que tu viennes plus en dessous. Apparemment, il a juste un. Voilà, c'est ça que je voulais. Et j'ai réussi à tous les avoir et j'ai 600 plus de machin. Donc là, désolé, hein, j'ai été un peu plus concentré hein, parce qu'il faut jouer en même temps avec les. Là. Les sticks et en même temps utilise le bouton Y qui permet à Luffy d'interagir avec les trucs. Ça, c'est les niveaux course contre la montre. On va passer hop à ça. On va gratter hop une créature en plus, ça on vérifiera plus tard. Et on va aller faire ce niveau. Attendre que ces serpents passent. Attendre qu'ils repassent. Repassent pour remonter. Hop, voilà, nickel. Ici, hop, on récupère. Là, va falloir grimper. Là, comme je dis toujours, dans ces. Hop. Ah, c'est vrai que j'ai oublié qu'il y a des niveaux comme ça dans le jeu. Voilà, on va passer par ici. Est-ce que je vais réussir? Peut-être. Non, pas bon. Il faut choisir le bon rebond. Voilà. C'est au petit bonheur la chance ici. Un peu n'importe quoi là. Mais bon, hop. Oula, 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 oula. J'en ai raté. Oula, nous avons des catcheurs. Luchador, hop. Et oui, ça s'appelle comme ça. Vu qu'on est dans un. Dans un niveau typiquement mexicain. Et voilà, hop. Donc là, on peut toujours passer sur les murs. Ah, là-haut, ça m'intrigue. Ce petit passage là-haut m'intrigue. Voilà. Je vous dis dans ce jeu, si vous tendez l'oreille, si ça vous intrigue, faut toujours regarder. Ah ouais, c'est le passage. Faut passer au bon moment. Oulala, oulala, oulala. Faut passer en même temps que le. En fait, il faut passer. Voilà, il faut rester en même temps que le machin sur le côté. On va attendre qu'il passe par sécurité. Sachant que les cages des petits êtres ont l'air un peu moins solides que celles des Electoons qu'on avait dans Rayman Origins. Oula, oulala, oulala. Bien passer entre les deux. Ou de justesse. Alors là, faut bien que je fasse attention.
Et là, je me suis jeté n'importe comment, voilà, nickel. J'adore vraiment la musique de ce jeu. Mais faudrait que j'arrête d'écouter la musique et plutôt de me concentrer sur ce que je fais. Hop. Oula, de justesse. Et là aussi de justesse. Ouh, j'ai failli refaire la même erreur que tout à l'heure. Hop, s'envoyer fort. Hop, nickel. Tac. Et ici. Ah oui, là c'est la descente lente et en même temps il faut faire attention à pas se faire happer par les serpents mangeurs de gâteaux. Là je me suis fait happer, j'ai voulu aller lentement en vol, en planant. Je regarde toujours en arrière, on sait jamais. Ah, et là, on retrouve notre magicien qui embête la princesse petit être. Hop. Là, il faut aller très vite. Là, faut même pas réfléchir, faut juste regarder devant soi. J'aime bien le coup des luchadors qui tombent. Ouais, non, là, je me suis raté. Donc là, bien sûr, on reprend du début. Pas de checkpoint. Faut foncer, faut pas réfléchir. Et voilà, là c'était la dernière à récupérer. Et je crois que j'en ai 600 bien passé. 625 même. On va aller faire donc la suite. Et non, pas là, on va pas faire la suite quand on arrive à la fin de cette vidéo. On va quand même voir combien j'ai de petits êtres récupérés. Ah ben, je pourrais faire la porte suivante. Donc il me reste combien de niveaux? 1, 2... Mais il me reste 2. Il me reste les deux derniers. Donc le niveau de boss, bien sûr, qui est mon boss préféré. Je vous montrerai lequel c'est. On va aller quand même gratter ce ticket avant d'aller faire la suite. Voilà, des looms en plus. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode, donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous au prochain. Allez, salut à tous !